Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Les petits musulmans ont le plaisir de vous souhaiter un très beau jour du vendredi. Yaoumul Jumu'a Mubarak. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des anges honorés. Al-Malaikatul Kiram. Sachez mes frères et sœurs que Allah a créé les anges à partir de lumière. Leurs corps sont impalpables. Cela signifie qu'on ne peut pas les saisir dans la main tout comme on ne peut pas saisir l'air. Ils ne sont ni mâles ni femelles. Ils peuvent toutefois prendre l'apparence d'un être humain. Dans ce cas, ils prennent toujours l'apparence d'un homme musulman, très beau, mais sans organe génital. De plus, les anges ne mangent pas, ne boivent pas et ne dorment pas. Leur résidence est les cieux. Ils sont chargés de fonctions diverses. Ils sont très nombreux, bien plus que les hommes. Seul Dieu sait combien il y a d'anges. Allah Ta'ala dit à leur propos dans le livre du Qur'an « La yahsoun Allah ma amarahum wa yafa'alouna ma yu'marun » Ce qui signifie « Ils ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il leur ordonne, ils font tout ce qu'il leur est ordonné. » Surat At-Tahrim, ayat 6. Les anges croient tous en Allah et ils sont tous pieux et vertueux. En effet, ils font tout ce qu'Allah leur ordonne et ils évitent tout ce qu'Allah leur interdit. Ils ne désobéissent jamais à leur Seigneur. Le musulman les respecte tous, ne se moque pas d'eux et ne les insulte pas. Parmi les anges dont les rangs sont les plus élevés, il y a Gabriel, Dibril, Michael, Michael, Israfil, Azrael. Notre maître Dibril est le meilleur des anges. Il est notamment chargé de transmettre la révélation au prophète, alayhi wasalam. Notre maître Azrael est chargé de sortir les âmes. Il est donc l'ange chargé de la mort. L'ange Malik est chargé de l'enfer. Il n'a jamais souri. L'ange Ridwan est chargé du paradis. L'ange Mikaïl est chargé de la pluie. Notre maître Israfil est chargé de souffler dans le corps. Il soufflera une première fois pour signaler la fin du monde et une seconde fois pour signaler le début de la résurrection. Il a été rapporté dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que si Allah crée quelqu'un, alors il ordonne à Jibril de l'aimer. Et Jibril l'aime. Et ordonne à son tour aux anges de l'aimer. Les anges l'aiment. Les vertueux parmi les êtres humains l'aiment aussi par la suite. Je demande à Allah qu'il nous accorde d'être aimés et soutenus par les anges. N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi un nouveau rappel, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa salamu alaikum. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد